que la police t'a arrêté. Et jusqu'à présent, monsieur dame, ça va pourrir dans la prison. Nous avons Hervé Lagnon, nous avons Claire Nius, nous avons Octavius Saint-Paul, nous avons Sanon Guito. Et bien, monsieur dame, ça a fait près de 3 mois dans le CPJ. Et après, vous venez pour le paquet. Sorti au sorti paquet, il faut directement dans la prison dès le matin en droit dans la école. Mais depuis lors, monsieur dame ça a souffert. Ils sont malades parce qu'ils mettaient toute qualité de monde ensemble. Ils n'ont pas de bon traitement. Et les gens malades, les gens fous, toute qualité de monde au seul côté. Et le seul péché à jamais ça a été fait, c'est qu'ils ont choisi le travail pour la population. C'est le péché qu'ils ont fait, ils ont choisi. Armés ont le courage, ils ont dit en tant que jeunes femmes, jeunes garçons, ils n'ont pas décidé de travailler Saint-Domingue, ils n'ont pas décidé d'aller Chili, Brésil, mais ils ont décidé de travailler dans le pays. Et tout le monde, ce sont des agents volontaires. Mais comme ça, ça veut dire que les jeunes garçons décidés pour servir la population, ils parlent en gang, ils parlent en l'autre bagaille, et puis comme traitement, c'est arrêté. Et demander arrêter pour qui ça? Nous ne connaissons pas que vous êtes volé, nous ne connaissons pas que vous êtes fait bagaille. C'est pour ça que nous venons demander soutien à l'agent de Sapfire. Nous connaissons les agents de SAP qui sont dans le canal là, voilà maintenant. Ce sont des agents qui comprennent et qui ont une capacité qui gourmet. Parce que lorsque vous avez un agent campé en façon colonel, il résigne, il dit l'amour ou la vie, il faut que vous avez qui fait, il faut que vous Dominique et puis les soldats. Ça veut dire ça le dire. Et bien nous connaissons les forces. C'est pour ça que je suis venu là en personne pour demander au soutien pour aider à me lever voir pour monsieur dame ça. Qui est dans la même institution avec eux, qui a pourri dans la prison et jusqu'à présent le gouvernement n'a pas dit rien. C'est ça que nous dit Gary Kony. Pas capable de gagner prisonnier politique parce que Gary Kony pas place et l'autre volte. C'est une bataille qui est faite pour Gary Kony qui est arrivé là. Mais journée aujourd'hui, nous avons demandé libération de ces dames sans condition. Parce que nous dit que les bandits ont fait TikTok, bandits ont fait ça, vous voulez. Pour qui ça c'est mon innocent qui a payé? Est-ce que c'est un bagage que nous faisons? Est-ce que c'est pour y avoir des gens? Qu'est-ce qui se passe là dans ce domaine? Nous avons demandé côté l'État. Si l'État veut, pour que ça ne soit pas réuni entre deux pays, pour que nous joignions en tant que déporté et haïtien massivement pour bête. Et là, si vous avez un projet, vous avez un calor, c'est comme si c'était une bête nouée. Pendant ce temps, nous sommes la première République noire. Nous sommes gourmets pour nous là. Je vous le dis, pour être tout pour nous faire affaire par vous, ça fait peuple là. Tout pour nous décider tout, il y a ce chef. Il y a Poumé. Pourquoi est-ce qu'il y a Poumé? Il y a des gens qui connaissent. Nous n'avons pas de logements sociaux. Nous n'avons pas de l'hôpital. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de sécurité. Et peu pas ici, pas dans la ville. Il y a juste de sécurité, libre ville. Peu pas ici, pas de plus. Et nous connaissons, nous peu pas ici, décider tout bon, pas grand rien, pas faire. Parce que regardez ce canal là. Nous avons un canal qui est en tête. Et ça fait nous t'arrêter que pour le gouvernement, vini pour ton assistant spécial à l'agence, qui quitte madame, qui quitte petit, qui quitte cabane, qui vient risquer là, la pli, tout bagay. Et nous remercions la diaspora tout, qui comprend le bagay là. Dans le diaspora, pour ton assistance plus, aider les gens à bagay. Moi, je suis là pour avoir un bon hôtel, un bon restaurant, un côté où vous venez visiter. Parce que là, tu as supposé un monument. Il t'a supposé un monument pour tout le monde, pour le monde entier. Ouais, mais gourmet, mais bataille, nous des batailles pour nous arriver là aujourd'hui. Moi, je souhaite que le gouvernement prend exemple pour Wanamet. Parce que nous avons une bonne route. Nous avons Wanamet développé. Nous avons Wanamet tout. Il y a un aéroport, pourquoi pas. Parce que nous, Wanamet, sont belles pays. Okay, si les magistrats qui travaillent, nous pensons qu'ils sont arrivés plus loin. On est dans l'objectif là, dans le moment où nous sommes là, qui est dans la bataille là, est-ce que nous pouvons juger? Si nous pouvons avocat, c'est-à-dire, est-ce que nous avons une batterie d'avocat sur le dossier? Faut nous dire que dans un premier temps, tu as un avocat. Mais je n'ai pas besoin de faire personnalité, mais avocat, ça, c'était avocat, mon mourir, pas avocat, mon qui n'en prison. Parce que les hôtels plaident, c'est pour mon mourir, tu plaides. Les gens qui sont en prison n'ont pas demandé libération. Et je vous dis à nous gourmets nous-mêmes, stratégiquement nous gourmets, et dossier arrivé cabinet d'instruction devant juge. Seulement pour juger la tranche et les gens seulement. C'est ça que nous avons demandé, c'est ça que nous avons demandé, ministre justice là. Nous avons demandé tout, et il y a un nouveau directeur qui est monté dans ANAP. Il faut que nous disions, parce que nous connaissons ANAP, je pas ministre de l'Environnement, et nous connaissons le directeur Jean-Thomas François Mbaye comme ça. Il faut que nous chitons avec l'argent le plus vite possible pour l'argent rejoindre la libération. Yo. Parce que je crois que après la bataille, ça, c'est ça l'argent qui mérite. C'est pour ça que nous venons demander support à l'argent, M. Wanamet, que nous connaissons voir les vidéos, les parler, les tendez pour nous capables de joindre nos façons pour rejoindre la libération, M. Damsao Président. Et qui est l'agent qui joue l'arrestation de Salimou? Quand il y a quelqu'un qui se frême, Hervé Lagnon se frême. L'autre monsieur Damien, c'est camarade, vous quand même, c'est un seul cause n'a pas gourmé, pas qu'à m'en délibération pour frèrement et eux-mêmes.
Combien depuis qu'il est arrêté? Il est arrêté depuis 7 février 2024. Jusqu'à nos jours, la justice pour que j'aime trancher. Jusqu'à nos jours, la justice pour que j'aime trancher. C'est dernièrement là, le dossier est arrivé au cabinet d'instruction. Qui juge qui souligne? Je pense que c'est juste Merlin Milab. Je suis assez demandé de libération, pressé, pressé. Pressé, pressé, sans condition, parce que nous avons eu 9 mois dans la prison. Qui dernière fois nous rencontrons le juge qui sur le dossier? Qui ça le dit? Bon, nous ne pouvons pas vraiment rencontrer le juge là, on n'est pas moi-même qui fait suivre, c'est avocat. Ça veut dire que c'est juridiquement, mais moi-même, ça me connaît que le dossier. Des conseils avec famille, qui c'est avocat dit? Avocat, il n'a pas de nous connaissons son bagage politique lié. Ce n'est pas même bagage. Laissons arrester son politique. Même lorsque vous avez un avocat, ou même faut faire le nécessaire. Le nécessaire qui ça, c'est faire vous remonter, c'est faire gouvernement connaître que nous ne sommes pas capables encore. Notre politique, c'est parce que l'agent Bessapsa a boumé pour construire le prison, il y a un massacre, il y a un jour d'y apaiser dans la prison. Oui, c'est ça. Parce que nous ne sommes pas l'autre encore. Parce que c'est ça, l'agent Sayo, c'est le mouvement 7 février, il a accompagné le peuple dans la manifestation et puis il a arrêté. Donc nous connaissons Philippe Touyouté, style avec les gens de gouvernement Sayo qui là. Je dis qu'il a arrêté, il a fait partie des cortèges de Philippe là. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as dans la prison jusqu'à présent? Je pense que c'est ça, parce que bien entendu, mes parents pour parler avec Guy Philippe. Même penser que c'est même bataille là. C'est notre cadre accompagner la population. Accompagner la population et arrêter. Est-ce que nous rejoignons Guy Philippe dans la bataille ça pour nous libérer à Jean? Bon, nous pouvons rencontrer avec vous même. Donc jusqu'à présent, nous même nous l'avons. Nous l'avons, mais nous prenons là si vous pas essayer frapper pour moi de libération et comme si vous l'avez mis de côté et puis vous jetez au final avec vous. C'est qu'on s'allie. Dans tout pays du monde, et pas dans tout pays du monde, Haïti, son pays spécial. Là, le gouvernement a arrêté, il n'a pas permettre l'instruction. Il a permis de toute vie à qui ça se trouve, parce que c'est lui-même qui décide de jeter. Mais c'est qu'on s'allie. Le gouvernement a rien, il n'est pas tout le cap pèse. Jeter pour nous, on peut finir avec eux. Comme il n'a pas tout ça, c'est ce qui a été tout. Ou même à toute notre famille qui perdit, et à Jabessap, et famille tout, qui est en prison, nous aujourd'hui, nous sommes capables de qualifier ces persécutions politiques pour le canal là. Oui, c'est ça. Parce que le premier monde qui a bataillé sous bataille là, c'était Agent Bessapio qui était armé, le courage, il n'y a pas de peur. Il faut oublier, il faut ne pas songer, les hélicoptères sont venus, les commandants chefs sont venus, pour te mettre sous sol là. Il y a un agent qui était armé, le courage, il a regardé en direct, qui a décidé soit le tout et commandant ou bien le tout. Et c'est pour montrer preuve que. C'est pour montrer une preuve de solidarité à Jean-Bessap. C'est pour ça qu'il a pris la prison jusqu'à présent, parce que nous n'avons pas de raison. Nous-mêmes, comme famille victime qui est en prison, nous avons demandé libération à Jean-Bessap. Nous avons demandé libération à Jean-Bessap sans condition, mais nous avons demandé des dommages. Si là, il qui mourent, il n'y a pas de temps de jouer pour enterrer, il y a des petites, il y a des madames. Mais ça fait nous plus de libération. Il n'y a même pas mourir. Il faut sortir pour venir dans le mouvement. Agent Sayo qui est en prison, nous connaissons Bessap Lassé bénévolat. Je veux dire au gouvernement, il n'y a aucune subvention pour former et agents sont capables de l'école. Je ne sais pas ça du tout. Bien entendu, il y a un qui nommé, il y a un agent qui nommé déjà, mais il y a un qui est sous contrat. Et ça veut dire moi-même, je considère tous les quatre ces agents, ces gens qui travaillent pour le gouvernement, y a toutes ces victimes, il faut qu'on bagaille qui dit pour tous les quatre. Vous avez dit non? Louis Costa Rica, moi, c'est coordonnatrice de plateforme Femmes, qui c'est ACFEL, Association culturelle des femmes en lutte dans le département de l'Ouest.